Bonjour. Muchísimas gracias por la invitación al... Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à m'exprimer ici. Merci à la Banque cantonale de Genève. Alors, j'ai décidé de commencer ma conférence avec une vidéo, car une image vaut tous les mots. Mais maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous décrire autant que possible ce à quoi ressemblait la ville de Pontevedra il y a environ 20 ans et comment nous l'avons transformée pour en faire la ville qu'elle est aujourd'hui en 2021. Pour moi, mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir participer à cette réunion, à ce séminaire. Et ce que j'espère, c'est que le travail de transformation que nous avons effectué sur la ville soit d'intérêt pour vous tous et que cela vous aide à prendre des décisions positives. Et ce que j'aimerais dire très clairement, c'est que chaque ville doit trouver sa propre voie. C'est comme ça que nous, nous avons procédé à Pontevedra. Mais si cela vous intéresse de miner d'autres modèles, si vous souhaitez trouver votre propre modèle, n'hésitez pas. Il y a un certain nombre d'idées fondamentales qui sont le préalable à toute transformation. Il y en a cinq. Et la première de ces idées, la première de ces conditions, c'est qu'il nous faut réfléchir à la ville. Il faut réfléchir la ville. Permettez-moi de vous expliquer qu'avant de rejoindre le gouvernement en 1999, on faisait partie de l'opposition. Depuis quelques années, on étudiait la ville, on discutait avec les gens, on essayait d'identifier leurs besoins, ce que l'on pouvait changer. Et à partir de 1999, lorsque l'on est arrivé au pouvoir au niveau municipal, nous on fait partie du Parti nationaliste de Galice, mais nous sommes dans l'opposition des socialistes, même si nous faisons partie des partis de gauche. Et donc, il nous a fallu étudier la ville pour concevoir notre projet. Autre composante essentielle, c'est d'utiliser toutes les connaissances cumulées dans le monde pour tirer profit des meilleures pratiques et éviter toute erreur. Nous nous sommes donc tournés vers des sources internationales de connaissances. Certaines datant de 1929, Terence Perry, qui a parlé de l'unité des quartiers, ce que l'on appelle maintenant la ville du quart d'heure. C'est à ce moment-là que cette notion a été inventée. Lee Jacobs, qui est une référence mondiale sur la vie urbaine, sur les villes multiservices, ou des villes qui ne sont pas spécialisées. Jacobs a toujours dit que la spécialisation, c'est in fine ce qui fait que les villes stagnent et ce qui fait qu'il y a des zones où il n'y a aucune activité du tout. Peter Crowell, un Anglais, qui a parlé des capacités environnementales, des rues urbaines, puis l'humanisation des espaces publics, de Leonard Teggio, qui a parlé des villes habitables. Nous sommes également tournés vers De Lucci, la ville des enfants. Alfonso Fan, un auteur espagnol, qui parle de calmer, de ralentir le trafic urbain. Et puis les objectifs du millénaire, Habitat 1, Habitat 2, le programme de développement durable à l'horizon 2030, le fait de rendre les villes habitables. Tout ceci a été une source d'inspiration. Alors après avoir vu cette revue extensive de la littérature, nous avons élaboré notre propre projet. En effet, chaque ville doit trouver sa propre voie, que ce soit aveuglément suivre ou sans aveuglément suivre ce qui a été fait ailleurs, car ça n'aurait aucun sens. Un modèle vaut pour une ville particulière. Il faut tenir compte des spécificités de chaque ville. Et puis, il faut un appui
sociale. Alors, il faut bien comprendre que lorsque vous avez un projet de transformation urbaine sur le plan politique, eh bien, il vous faut passer par les urnes, faire en sorte que votre projet soit approuvé. Nous, on part du principe que la politique, c'est la seule manière de transformer la réalité que l'on souhaite changer parce qu'on ne l'aime pas. La seule manière de changer les choses, c'est via la politique. Sur cette base, eh bien sûr, il faut mettre en œuvre son projet. Et dans le cas d'espèce, permettez-moi de vous dire qu'il faut faire preuve de courage politique si l'on veut mettre en œuvre un projet de cette envergure. On pense tous que la classe politique doit remplir ses promesses électorales. C'est ce qu'il devrait faire, mais tout le monde trouve des excuses pour ne pas le faire une fois arrivé au pouvoir. Et ce n'est pas ce que l'on a fait. Nous, on a dit... On a dit que l'on voulait faire du centre historique de la ville un centre piéton, et c'est ce qu'on a fait. On a travaillé avec les différents quartiers, on a essayé de trouver des solutions alternatives, et c'est ce que l'on a fait. Alors, bien évidemment, il se peut que d'autres pensent à d'autres solutions, auquel cas il faut les mettre en œuvre. Mais il faut un appui de la société pour faire avancer, sans pour autant s'attendre à ce qu'il y ait approbation unanime de ce que vous voulez faire, sinon vous ne ferez tout simplement rien. Certains diront, si j'ai pas de parking, je veux pas pouvoir utiliser ma voiture, si j'ai pas d'arrêt de bus devant chez moi, je pourrais pas utiliser le bus, j'empêcherai les places de parking d'être construites. Nous, on est convaincu que les décisions politiques doivent être prises, elles doivent passer par les urnes pour ensuite être mises en œuvre. Et quoi qu'il en soit, il y a une chose qui est essentielle, c'est de revenir sur la ville de Pontevedra en 1999, sinon ce serait difficile de comprendre la situation. Voilà ce à quoi ressemblait Pontevedra en 1999. Ça ressemblait à ça. C'était une ville envahie par l'auto. C'était, grosso modo, un espace de stockage des véhicules d'un point de vue de la circulation. Il n'y avait pas de sécurité. Elle était polluée, elle était inaccessible. Et il n'y avait pas de perspective d'avenir. Elle n'offrait pas de perspective d'avenir. Or, il y a une chose qui m'intéresse, puisque je suis de la profession médicale, je suis médecin. Moi, il me semble que les villes sont là pour qu'on y vive, pour qu'on y marche, pour qu'on s'y déplace. Elles doivent donc offrir un usage de l'espace public pour tous les citoyens, notamment les personnes âgées. Autre photo qui date de 1999, que vous voyez à l'écran. Alors, ceci vous donne en résumé ce à quoi ressemblait la ville à l'époque, et voilà ce à quoi elle ressemble maintenant, en 2021. L'espace urbain compte 65 000 habitants, la municipalité compte 84 000 habitants, la zone métropolitaine est assez compacte, comme Genève, 250 000 habitants. Pontevedra compte 65 km² pour 65 000 habitants, puis donc la zone métropolitaine de 150 000 habitants et la province qui compte près d'un million d'habitants, soit précisément 980 000 habitants. Passons maintenant au projet de transformation urbaine de Pontevedra. De notre point de vue, l'aspect le plus important, c'était de récupérer l'espace public pour les citoyens. À l'époque, seul 30% de Pontevedra pouvait être utilisé par les gens. Le reste était utilisé par l'automobile. Et nous, on a changé de paradigme entièrement. 70% de l'espace contre 28% seulement pour les automobiles. Ça, c'était notre point de départ. L'expérience mondiale est que
Et permettez-moi de dire, si on se tourne vers les expériences internationales, le trafic, la circulation, c'est quelque chose qui ne s'améliore pas. Lorsque un maire se rend à la mairie pour la première fois et dit bah, « faut améliorer la circulation », ce que les gens font, c'est qu'ils rajoutent une route, une voie, il faut réduire la taille des trottoirs. Mais toutes les mesures qui visent directement à améliorer la gestion de la circulation ne réussissent jamais. Fracasaron más carriles, fracasaron los pasos subterráneos. Donc, les mesures visant à améliorer la circulation, rajouter une voie express au-dessus, en dessous, la circulation alternée jour pair, jour impair. Et demander un paiement pour accéder à la ville, de notre point de vue, c'est discriminatoire. Donc, nous n'avons pas opté pour cela. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons réduit de manière significative la présence des véhicules qui ne sont pas nécessaires à l'intérieur de la ville. Alors, quels sont les véhicules qui ne sont pas nécessaires pour permettre à la ville de fonctionner ? Eh bien, c'est ce trafic qui n'est pas nécessaire, c'est le trafic de passage, les gens qui ne s'arrêtent pas à l'intérieur de la ville. À Pontevedra, 30% des voitures ne s'arrêtaient pas, elles ne faisaient que transiter par la ville. Nous avons donc supprimé ce trafic de transit. Si vous voulez rentrer par le nord, eh bien vous repartez par le nord. Si vous rentrez par le sud, vous ressortez par le sud. Si vous voulez aller à l'est, eh bien à ce moment-là, il faut prendre une voie de contournement. Mais il est impossible de traverser la ville de l'est à l'ouest. Donc, trafic de passage, moins 30%. Et puis, ce que l'on a fait, ce que l'on appelle le trafic de déambulation, les gens qui recherchent des places de parking, parce que à partir de 8 heures le matin, toutes les places de parking sont déjà prises, les voitures circulent, déambulent, essaient de trouver une place de parking, et pendant ce temps, elles polluent et provoquent des accidents. Donc ce que l'on a fait dans le cadre de notre approche, c'est de promouvoir le trafic de destination, à savoir le trafic qui est absolument nécessaire pour que la ville fonctionne correctement. Il s'agit de l'accès au garage, des activités économiques, des livraisons, livraisons de courrier, ou le fait de se déplacer dans des véhicules privés dès lors que c'est indispensable. Si vous devez amener votre téléviseur à la réparation, bien, il vous faut le transporter. Si vous devez amener quelque chose au pressing, si vous devez amener quelqu'un dans un établissement de soins de santé. Mais en dehors de cela, ce que je veux dire, c'est qu'on a rendu la vie très compliquée pour les conducteurs automobiles, à moins qu'ils aient quelque chose de très spécifique à faire qui requiert leur voiture. Comme je l'ai dit, nous avons éliminé beaucoup de trafic de passage, de trafic de transit, et nous avons pu alléger le réseau de la ville, le réseau routier de la ville. Et puis nous avons inversé les priorités de mobilité. Par le passé, la voiture arrivait en premier, puis venait le transport public, et en troisième, les personnes les plus faibles, les piétons notamment. Or, nous avons bouleversé ce modèle, nous avons changé entièrement nos priorités en effectuant une réforme urbaine qui donnait davantage de place aux individus, puisque les automobiles circulent beaucoup moins. Sur cette diapositive, vous voyez que dans des petites villes, on peut se déplacer en marchant. Dans des villes plus grandes, eh bien, il faut bien sûr un bon réseau de transport public. On ne peut pas s'attendre à ce que le transport public vous amène de porte à porte. Ce que les gens nous disaient, c'était, on parlait de Genève au dîner, on nous disait que les trolleybus s'arrêtent partout, et bien, peut-être qu'ils ne devraient pas s'arrêter
arrêter autant. Peut-être que les gens devraient avoir la possibilité de marcher jusque chez eux. Si vous empruntez les transports publics, eh ben, peut-être que ce dernier kilomètre, ce dernier demi-kilomètre, vous pouvez le marcher. Ça vous permet de marcher, de bouger, de respirer. Or, l'Organisation mondiale de la santé recommande que chacun d'entre nous effectue 10 000 pas pour rester relativement en forme. Alors, bien évidemment, il faut offrir aux citoyens un certain nombre de services à l'intérieur de la ville. Et il faut également faire en sorte que la ville soit accessible à tous. Il faut que ce soit une ville pour tous, notamment pour les enfants, mais aussi pour les personnes qui connaissent des situations de handicap, les personnes âgées, et il faut avoir une perspective de genre. La ville est plus sûre, elle est plus accessible si vous procédez ainsi. Quid de l'éclairage public ? Eh bien, il faut un bon éclairage public. L'éclairage public génère un sentiment de sécurité pour les citoyens. C'est plus sûr du point de vue des automobiles aussi. En effet, les automobilistes voient mieux. Ils voient les passages piétonniers davantage. Mais il faut éviter toute pollution lumineuse. À Pontevedra, une entreprise pionnière est là. Or, elle adapte l'éclairage au rythme circadien humain pour qu'il soit davantage en phase avec les rythmes circadiens que nous avons tous. Au niveau de l'environnement urbain, ce que nous avons fait aussi, c'est de réintroduire de la nature en plantant des arbres dès que possible. Comme je l'ai dit, nous avons planté des arbres, ce qui permet d'améliorer la qualité de l'air et qui permet d'avoir davantage de vie dans les rues. Et comme cela a été dit très clairement par le représentant de la ville de Genève, cela permet de diminuer les températures dans les rues, ce qui rend la marche bien plus agréable. Autre problème que nous avons essayé de régler, c'est le trafic, la circulation, en essayant de le calmer. Il y a 20 ans, en 2010, nous avons approuvé une vitesse maximale de 30 km/h partout dans la ville. Je dis bien partout, que ce soit sur 4 voies, sur 2 voies, trafic bidirectionnel, où que vous alliez, vous êtes limité à 30 km/h. À partir de 2019, nous avons établi une limite de la vitesse à 10 km/h au centre de la municipalité, car les rues sont étroites, il n'y a pas vraiment de trottoir, il y a beaucoup de piétons. Les voitures ont du mal à se croiser, donc de toute manière, vous ne pouvez pas conduire à 50, voire 60 km/h. En effet, cela pourrait provoquer un accident, des violences routières, ce qui peut être fatal aux piétons. Donc 10 km/h dans les zones piétonnières, là où les piétons sont prioritaires. Alors vous pouvez dire que c'est très restrictif. Eh bien, moi, je suis d'un avis contraire. En effet, après avoir pris ces décisions en 2010, la vitesse médiane dans la ville a augmenté. En effet, si on restreint les voitures, on élimine les feux tricolores, les ronds-points, eh bien, la circulation est bien plus fluide. Les livreurs, ceux qui se déplacent, peuvent s'arrêter là où ils veulent. Vous pouvez garer votre voiture là où vous voulez. Vous pouvez livrer votre paquet et repartir. Donc, votre activité économique est plus simple. Pontevedra est une ville où seuls les véhicules nécessaires circulent. On n'a pas de caméra de vidéosurveillance. On a parfois des rues à sens unique.
Les voitures n'ont plus besoin d'utiliser leur klaxon, elles savent que c'est une ville essentiellement piétonne. Alors, s'agissant de la vitesse, c'est quelque chose auquel on ne peut arriver seulement par en imposant des règles. Il faut concevoir les routes de manière appropriée, avec des rues plus étroites, des passages piétonniers, des passages piétons devant des passages surélevés. À ce moment-là, les piétons savent que c'est un endroit de rencontre. Sinon, si les passages piétonniers ne sont pas surélevés, c'est le piéton qui envahit l'espace automobile. Il y a un certain nombre d'autres mesures que nous avons prises pour calmer la circulation, pour réduire la vitesse, notamment à proximité des écoles et à proximité des hôpitaux. Autour des écoles, on ne peut circuler à grande vitesse. Les parents ne peuvent pas amener leurs enfants jusqu'au portail de l'école. Ils doivent se garer et amener leurs enfants à pied. On ne peut pas accumuler les voitures autour des écoles. La même chose vaut pour les hôpitaux. Là, ce passage piéton surélevé garantit la sécurité. Vous avez un espace séparé entre le passage piéton et le trottoir. Les gens continuent de marcher au même niveau. Ils n'ont pas besoin de descendre ou d'utiliser une rampe. Alors, les bicyclettes, les vélos coexistent avec les automobiles. Nous avons un certain nombre de pistes cyclables un petit peu partout dans la ville, mais à l'intérieur de la ville elle-même, les vélos sont entièrement intégrés. Ils coexistent avec le trafic automobile, puisque la vitesse maximale est limitée à 10 voire 30 km/h. Voilà pour le trafic des vélos. Alors, vous pouvez vous poser la question de savoir quid du stationnement. C'est effectivement une question fondamentale. À l'intérieur de la ville, nous avons multiplié par deux les espaces de stationnement en quelques années à peine. C'est notamment le cas des parkings souterrains. Il y a des parkings souterrains sur 3 étages que les particuliers peuvent acquérir pour une durée de 16 ans. Le parking coûte 1 euro, 1,50 euro, plus ou moins. Donc si vous vous rendez en ville et que vous y allez pendant 1 heure ou 2, vous vous garez dans un parking souterrain. En général, il y a un parking à 100, 200, 300 mètres. Si vous voulez passer toute la journée en ville pour le travail, eh bien on a 4 000 espaces de stationnement autour de la ville. Il s'agit de places de stationnement gratuites. Vous pouvez vous y stationner. Là, vous avez le centre historique de la ville. Vous pouvez vous stationner à droite et en quelques minutes, vous atteignez le centre historique de Pontevedra. Tout autour de la ville, il y a de tels parkings gratuits pour que les gens puissent accéder à la ville en marchant pour un maximum de 15 minutes. Autre type de stationnement. Et je me dis que ça peut être une source d'inspiration pour d'autres villes. Maintenant, personne ne semble nous avoir imité depuis. Il s'agit de places de parking à l'intérieur de la ville où l'on peut s'arrêter pour accéder à des services. Il y a 1000 places de ce genre que l'on appelle parking de service où on peut se garer pendant une durée de 15 minutes, vous faites ce que vous avez à faire et vous repartez. Ceci ne génère pas de circulation dans la ville parce que les gens ne se rendent pas là où ils n'ont pas besoin d'aller, ils n'ont pas besoin de chercher, ils vont à un endroit précis, obtiennent leur service et repartent. Pas de forte circulation générée, pas de voitures qui ne sont pas nécessaires dans la ville. C'est donc ce que l'on appelle le stationnement de service.
Autre sujet qui est important à mes yeux, c'est le fait que les villes devraient être compactes. Elles devraient être conçues de manière compacte. On devrait éviter la suburbanisation car cela crée de plus en plus de problèmes. Les gens vivent à l'extérieur des villes et doivent se rendre en ville pour travailler. On doit éviter toute spécialisation, que les villes doivent offrir une multitude de services. C'est quelque chose que l'on a découvert il y a un certain temps. Vous descendez dans la rue, vous y trouvez l'école, le supermarché, les commerces locaux à proximité. Vous n'avez pas besoin de prendre votre voiture pour aller acheter du pain. Ceci génère un environnement plus sûr et un sens du quartier, comme cela a déjà été dit. Pour garantir un droit à occuper l'espace public, il faut créer des villes multiservices de ce genre. Et comme cela a déjà été dit, c'est ce qui rend la ville dynamique, c'est ce qui la fait revivre. Alors pour y arriver, il faut promouvoir les activités culturelles, il faut promouvoir les événements festifs, des manifestations sportives. La mairie, dans notre cas, offre près de 1000 événements de ce type par an, qu'ils soient d'ordre culturel, sportif ou autre. Là, vous avez les championnats du monde de triathlon en plein milieu de la ville, ou un festival local, le championnat d'échecs. Voici l'une des places de la ville le matin ou l'après-midi, je ne sais pas. Alors, comme je l'ai dit, il s'agit vraiment de ramener le commerce dans la rue. Tous les magasins peuvent être vus depuis la rue. Vous pouvez y entrer ou pas, selon vos besoins. Voilà, j'arrive à la fin du temps qui m'est imparti. Il me reste toutefois quelques diapositives. Je voulais juste dire que le droit à l'espace public, eh bien, c'est un droit qui est fondamental, autant que le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit aux services publics. On a tous un droit à l'espace public. Cet espace public devrait être disponible, accessible à tous, sans distinction d'âge, de forme physique ou autre. Il faut également tenir compte des questions de genre dans leur conception. C'est un espace public qui s'adresse à tous. De notre point de vue, autre question fondamentale, eh bien, ce projet doit être un projet global qui coordonne tous les domaines municipaux, pas seulement l'urbanisme et les affaires économiques. Il doit faire intervenir toute la municipalité pour faire avancer le projet. Tous les départements doivent travailler main dans la main pour pouvoir aboutir à ce résultat. C'est également un projet qui doit être mis en œuvre par toute la municipalité. En effet, si tel n'est pas le cas, à ce moment-là, on peut aboutir à des phénomènes tels que la gentrification, où des quartiers deviennent plus chers que d'autres. Or, tous les habitants ont les mêmes droits. Il faut éviter toute concentration excessive et toute gentrification. Autre notion fondamentale, c'est un processus dynamique. Ça n'est jamais fini. Il vous faut toujours revoir votre copie, remettre l'ouvrage sur le métier et vous adapter. Et vous devez tenir compte des expériences qui ont été faites ailleurs dans le monde et apprendre des meilleures pratiques faites, mises en place par les autres. Vous avez quelques chiffres à l'écran.
Voici les résultats que je souhaitais mentionner en termes de circulation automobile. Voici comment la circulation automobile a diminué dans la ville. Au centre de la ville, 1,5 km², la circulation automobile a diminué de 97%. Dans les 3 km² suivants, la circulation routière a été diminuée de moins 77%. Dans la ville dans son ensemble, moins 53% de circulation automobile. On voit une réduction dans le mouvement des automobiles. 52 000 par jour en 1999, on a 17 000. Et ce qui est important aussi, c'est que de 2007 à 2017, les décès dus à la circulation routière n'étaient que... On a déploré que 3 décès alors qu'il y en avait 30 de 1997 à 2006. Et depuis 2011, aucun. C'est vraiment un chiffre remarquable pour lequel nous nous sommes vus distingués par un prix européen. Autres accomplissements, croissance économique, notamment le secteur tertiaire, 91% de la population effectue ses achats à pied, augmentation de la population dans le centre-ville de 33%, alors que le reste de la Galice perd en population. Moins de 2,7 millions d'habitants. Or, à Pontevedra, notre population augmente. On a la population jeune la plus grande en Galice. Beaucoup de nos enfants marchent jusqu'à l'école et marchent seuls. On a réussi à réduire nos émissions de CO2 de moins 67%, ce qui veut dire que chaque citoyen de Pontevedra est responsable de 500 kg de CO2 de moins par an. Ce qui nous a valu un certain nombre de prix pour nos efforts, notamment le prix ONU Habitat, un prix qui nous a été décerné par Dubaï, par la fondation Bloomberg pour notre urbanisme. Un prix nous a également été décerné par la Commission européenne. Ce sont les prix les plus importants. Voilà des photos avant-après. Et donc, en conclusion, ce que je souhaiterais vous dire, c'est que toutes les décisions qui sont faites pour améliorer la qualité de vie sont positivement perçues par tous ceux qui habitent dans la ville, quel que soit leur bord politique. Elles génèrent des avantages sociaux qui peuvent être constatés par tous. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne coûte pas plus cher. Avoir une transformation urbaine cohérente, ça ne coûte pas plus cher que de faire cela petit à petit. Le travail que l'on fait attire également des talents vers notre ville. Les gens veulent vivre dans des villes agréables. Nous attirons également des touristes et croyez-nous, cela fonctionne. Au cours de ma dernière conférence, j'ai dit que cela marchait également dans les urnes, car ça fait 22 ans que nous sommes à la tête de la municipalité. Or, nous sommes un parti minoritaire. Nous gagnons les élections municipales, mais nous perdons au niveau national et au niveau de la Galice. Le fait que nous soyons réélus au niveau municipal, cela veut dire que les gens sont en faveur de la transformation urbaine que nous avons entamée. En tant que maire, c'est quelque chose que l'on comprend très bien. Vous voyez une inauguration à l'écran qui a eu lieu il y a quelque temps déjà. Et voilà les données que je souhaitais vous montrer. Vous voyez notre site web où vous trouverez toutes les informations dont vous aurez besoin. Et il y a une chose que je dis toujours qui est que en Espagne et dans notre province, les maires et maires ont la compétence exclusive sur les espaces publics et sur la circulation.
à l'intérieur de ces espaces publics. Nous n'avons donc aucune excuse. Si vous savez qu'en ralentissant la circulation routière, vous avez moins de décès, eh bien vous devez assumer cette responsabilité. Si vous savez qu'un enfant ne peut marcher dans la rue, il faut faire quelque chose. Hier soir, durant le dîner, j'ai dit que le temps moyen que les enfants passent à l'extérieur en Europe est de 35 minutes, alors que dans le système pénitentiaire américain, les prisonniers passent un minimum d'une heure à l'extérieur par jour. La conclusion, c'est que l'on traite nos enfants de manière bien plus dure que les pires criminels aux États-Unis, et ça n'a aucun sens. Les enfants sont ceux qui sont coincés à la maison, ils sont coincés sur la banquette arrière. Or, les enfants doivent sortir, ils doivent pouvoir jouer, ils doivent pouvoir marcher à l'école. Ce sont des manières d'apprendre, ce sont des manières d'éduquer les gens. Or, ce que l'on fait, c'est que on fait en sorte que les enfants n'ont plus les expériences que l'on faisait quand on était petit, lorsque on sortait tout le temps, on disait jamais à nos parents où on allait parce que sinon ils nous l'interdiraient. Bon, j'ai l'impression qu'on s'en sort pas trop mal. J'aimerais tout simplement vous encourager, vous tous qui êtes des décideurs politiques, à prendre des décisions courageuses pour le bien de la société et des villes.